Bienvenue dans cette petite vidéo qui va englober un peu toute la préparation UT4M jusqu'au retrait des dossards. C'est un peu, on va pas dire le bordel, mais bon, c'est un peu le bordel. En fait, ce qui s'est passé hier, c'est que, donc on était à 5 jours, là on est à J+4, c'est dimanche matin. Hier, j'ai fait un petit inventaire de tout ce dont j'avais besoin sur l'UT4M, donc départ, base vie 1, base vie 2, base vie 3. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir faire la valise et faire 2-3 courses. Hier, j'ai joué un petit peu avec mon sac, donc j'ai fait 2-3 modifs. Donc déjà, j'ai testé le fait qu'on pouvait rentrer une poche à eau, parce que en fait, j'ai embarqué une poche à eau en plus de mes bidons. Et j'ai fait 2 modifs, j'ai rajouté hop, un passage ici. Pourquoi c'est ma caméra? Parce que quand je filme, en fait, je passe ma caméra ici derrière sur le porte-bidon. Parce qu'il se passe, c'est que quand tu cours, la caméra, la tordeuse, ça se barrait et tomber, donc c'est assez chiant. La deuxième motif que j'ai faite, c'est ici, de chaque côté. Ensemble, ils sont serrés à bloc. Du coup, j'ai resserré la bande, j'ai fait une petite boucle comme ça. Et du coup, voilà, ça fait un petit porte-bâton super rapide pour ranger les bâtons. Alors, je sais pas si je vais m'en servir, mais au moins, je sais que ça existe. Plus carré, on a mis des temps de course et on a étudié le premier passage de course, ravito et tout ça. Là, je prends mon petit déj tranquille et puis après, je sais pas quelle tête j'ai, mais je pense que c'est pas terrible, je vais me lever. On va faire les courses et puis après, on fera le rangement, la checklist et tout ça. Et après, il faudra que je range un peu ma maison parce que c'est un petit peu le bordel. J'étais en train de mettre mes chaussures et j'ai vu ça en fait. Je me laisse toujours des petits indices comme ça aux endroits un peu stratégiques pour pas oublier, en fait, c'est ouais, couper ses ongles de pied. Important de le faire entre 5 et 10 jours avant la course, du coup, parce qu'en général, on les coupe toujours trop court. Et trop court, ça laisse des cloques, donc on le fait, voilà, il faut le temps que ça pousse un petit peu. Donc, allez, go. D'ailleurs, au passage, je voudrais m'excuser auprès de mes proches, de ma famille et puis de mes amis, parce que je vous gonfle avec l'UT4M depuis je sais pas combien de semaines. En même temps, c'est une grosse course pour moi, c'est un gros défi personnel. Et c'est pas que j'ai un peu de pression, mais voilà, ça m'onibile un peu depuis quelques semaines, d'autant plus ça approche, plus ça, voilà, plus je suis impatient d'y être en fait. Donc voilà, désolé de vous gonfler avec l'ultra trail des 4 massifs qui s'appelle en fait l'ultra tour des 4 massifs. Non, j'ai vu ça hier soir. Allez, shopping bar, j'aime tout ça. Donc là, c'est le meilleur moment, on va choisir le biscuit qui va nous faire revivre au moment où on n'arrivera plus à rien manger. Ah, il n'y a plus de pépito. Bon, du coup, on va se dire qu'on va prendre ça. Oula, il était pas content. Est-ce qu'il y a plein de sucre, j'espère, là-dedans? Oh, 31 grammes au 100, parfait. Moi, j'ai des bâtons, parce que le dernier trail où je les ai utilisés, je crois que c'était le pas du diable. J'avais des gants, mais ils ont été beaucoup dans la boue. Et du coup, j'ai pas envie d'avoir les mains dégueulasses sur l'UT4M. Pour manger, du coup, allez, washing. Et bah voilà, là je vais préparer mes petits tas, tout ça. Donc après la bouffe, je vais la pré-préparer. Je referai mes sacs avant de partir. Ok, bah je vous laisse, je vais m'amuser à faire ça. Voilà, on n'est pas trop mal. Alors, tout ça, c'est la première partie avec l'obligatoire et tout ça. Sachant que je vais glisser des batteries qui sont là dans le tas qui est là. Parce que base vie 1, base vie 2, base vie 3. La base vie 1, c'est assez légère. Là, il y a toute la bouffe. Je crois, ouais, c'est ça. Ouais, exact. J'ai la crème solaire, ouais. Alors, toujours un kit serviette, caleçon, gel douche. Parce qu'on va probablement prendre une douche à chaque base vie. Ça fera pas de mal du tout de se remettre un peu dans la fraîcheur comme ça. Pardon, de repartir assez frais. Un peu d'antalgique toujours, des pansements, des mouchoirs. Les batteries, pareil, je vais les récupérer. J'ai plein de piles aussi. J'ai 2 frontales, c'est obligatoire. Mais les piles, je vais répartir ça un peu. Ça, c'est voilà. J'ai pris une petite batterie de poche pour recharger la montre en fait en cours de session. Parce que la montre, elle tiendra pas 45 heures, hein. C'est ce qu'on s'est plus ou moins prévu. Voilà, donc il y a beaucoup de matos obligatoires. Et puis bah, après, on va juste essayer de répartir tout ça. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pris un peu de bouffe d'appoint. Parce que là, au bout d'un moment, c'est très bon hein, les Barcliffe, mais à un moment, j'arrive plus à manger. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces petites multi-machin énergie, l'Isostar.
Du coup, les petites pâtes d'amandes et les petites pâtes de fruits, ça passe toujours pas mal. Le plaisir ultime. Et puis, bah, toujours mon célèbre, ma célèbre flasque gauche avec ce mélange-là. Et puis, une petite compote de pommes standard et des compotes biscuits fraises qui sont assez sympas. Donc, il faut faire rentrer tout ça là-dedans. Ce qui ne devrait pas trop poser de problème, visiblement, je pense. Pour avoir un peu de lecture aussi pour la route. Bah voilà, on va paquer tout ça. Il faut que je fasse une lessive aussi, puisque j'ai mis des trucs là-dedans que j'ai mis hier, parce que j'ai fait une petite sortie hier, et du coup c'est un peu dégueulasse. Mais... je vais enlever ça. Est-ce que je paque? Non, je vais pas paquer tout de suite, je vais laisser comme ça, je paquerai demain matin. J'avoue, ça fait un peu pourrir tout mon salon, mais bon, après tout, on s'en tape. Je paquerai demain matin, du coup, parce que du coup, j'aurai fait ma lessive et tout sera propre. Je crois que je vais même le faire tout de suite, la lessive. Ouais, je vais faire ça tout de suite. Ça devrait aller. Allez, à plus tard. C'est bon, il était 4ème J-3, il est temps de paquer le sac parce qu'on va partir en début d'après-midi du coup à Grenoble. Bon, voilà, normalement tout est bon, tout est prêt, il n'y a plus qu'à... Je vais ma checklist ici, voilà. Et c'est parti. Bon voilà, c'est parti, gare de Lyon. On va retrouver les copains normands. Et c'est rentré là-dedans. C'est énorme. Je pensais pas que ça rentre. Du coup, j'ai même dû mettre une paire de trails directement pour économiser un peu de place dans ma valise. Et encore mon sac à dos. Bon, allez, on va retrouver les copains à Gare de Lyon. C'est parti pour un petit voyage de folie. Bon, allez, les touristes. Ah, j'ai le plus gros modèle que j'avais. Mais où le parachute? On se prend une partie des vacances là. Ah c'est clair. Salut. Ah là, oui non, faut ça genre. Ah, il a pris cher lui hein. Ça c'est parachute lui hein. Ah grave, le militaire. On a tous des biscuits. Par exemple. Le train n'est pas parti, on recommence quoi. C'est des plus, là c'est des moins. C'est ça. Là c'est rayon. Doucement. Ouais, parce que du bouchon là. Voilà, alors il y a de la montagne là, il y a de la montagne là, il y a de la montagne là. Et je sais plus, mais à mon avis, on va regrimper quelque chose. Il y a la montagne là, juste derrière. Ah voilà. Fin de J2, donc on va manger, dormir, et demain, course de Saint-Pondaline. Et voilà. On est dans les menus et les courses, là, donc J-2, J-1 pour la ligne, les choses proposées, c'est vrai, c'est tout mignon. Et on est super contents pour le concours Emotion Trail. Hop, ouf, qu'est-ce qu'on voit ici? Jean-Charles Arbonnier, retenu, top 4. Voilà, on est là. Alors venez mettre un petit like là-dessus, ça fera vachement plaisir. Merci. On aurait bien une sieste là quand même. Parce que 32 degrés. En plus, on va arriver à 15h. On va être en plein cagnard. En plein cagnard. Ouais. On est mieux à perdre une demi-heure, trois quarts d'heure là. Tu prends une douche en plus. Tu prends la douche, tu pars pas. En plus, l'eau froide. Ça tienne. Tu t'arrêtes une un sieste, peu. Petite sieste de 20 minutes, douche, ça, et claque. Yes. On repart là. Et on tu est sais, bien. Et tu sais que t'en as pour 80 000 montées. Oui. Attends, ça y est, c'est faux. Réserve alimentaire. C'est quoi réserve alimentaire? Couverture de survie. Check. Sifflet. Attends, mais je suis pas prêt moi, vas-y, d'aller trop vite là. Téléphone mobile. Check. Téléphone mobile. Ouais, ouais. Bande élastique. Check. Veste avec capuche. Oui. Buff ou casquette? Yes. Casquette, je prends laquelle? Allez, je vais prendre une belle. Fiche pour un traitement médical en cours, ah, on est pas malade. Lampe principale avec pile, plus les piles, plus les piles, plus la lampe d'appoint. Pantalon ou collant long. Il est chaud celui-là. Vêtements chauds, manches longues. Supportable imperméable. Bonnet. Ouais. Bonnet et gants. Plus mon bonnet non plus. Yes. Bonnet pointe de coupe, gants GTO, gobelet pointe de coupe. Merci les frags. Ouais, équipé de matos. Coupé, après bon. On a fait la checklist là. Hop, pardon, ah oui. Frédéric Fuber. C'est moi. Arbonnier John Shaw. C'est toi. Oh, c'est con.
Bon, allez. Trop bon. On a perdu Yann. Yann où? Il est pressé de rentrer. Vas-y, il est pressé. Ah, ouais, non, il est là. Bon, voilà. J-1, retrait des dossards, contrôle des sacs. Et voilà, on découvre ce qui sera le théâtre de l'arrivée, visiblement. Ouf. Harmonie à 367. 367. Ah, militaire qui gagne une fois que l'arrido. Il faut y avoir un pauvre, c'est sinon. Bonjour, monsieur. On va poser la signature. Alors ici, on a les sacs d'allègement, une paire de tongs, et puis un petit bracelet, et le plus important, voilà, pour le suivi live demain, 367. Bon, ça a fini pour aujourd'hui, du coup on va remplir les sacs d'allègement qu'on déposera demain matin après le briefing. Avant le briefing, on prend le brief, on rentre à la maison. Voilà, voilà, donc je vous retrouve après le brief ou au brief. Allez, bonne soirée. De voir du monde enfin, puisque ça fait 11 mois qu'on prépare, enfin, presque 12. Et donc, après cette superbe conférence, merci beaucoup Florence. Je propose qu'on refasse le point sur les 4 prochains jours. Voilà, on sort du briefing, bah il n'y a plus qu'à, on a déposé ce sac d'allègement et puis bah, là on rentre à la maison, on va aller manger, on va faire une petite sieste et puis on repart pour bah, la petite aventure folie. Donc voilà, je vous souhaite une bonne balade, un bon week-end, je sais pourquoi, et puis on dit à très bientôt. Courage, souhaitez-moi bonne chance aussi parce que du coup ça risque d'être assez difficile.